les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et c'est un vlog spécial dégustation d'Halloween. Et on se retrouve au Lucky Nugget parce qu'on va goûter le menu d'Halloween. Tout simplement. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Donc allez, c'est parti! Nous sommes installés au Lucky Nuggets, restaurant qu'on adore. Ouais. Et on va goûter le menu d'Halloween. Alors le menu d'Halloween c'est quoi? C'est un burger, sauce moutarde, pain noir, steak et bacon, frites de patates douces. Ouais. On peut changer si on veut. Et le dessert c'est une glace sur le thème d'Ursula. Voilà. On va vous montrer ça. On va goûter ça. Il faut aussi une bière de saison que j'ai pris pour goûter. De toute façon on vous filme ça et on vous donnera nos impressions juste à la fin. Bon les amis, on vient de goûter la bière, franchement elle est super bonne, elle a un bon petit goût sucré comme ça à la fin et elle tient bien au palais, elle a un super bon goût, franchement une très bonne bière de saison. En général chaque année pour arriver à la fin de l'année pour Halloween et Noël, pour leurs menus spéciaux, ils ont une bière française en plus à chaque fois, donc autant en profiter pour ceux qui aiment la bière et franchement celle-ci c'est une très bonne bière, je vous la conseille. Du Lucky Nuggets et franchement le menu d'Halloween on l'a adoré. Par contre il est très copieux. Oh ouais, on n'a pas fini, honnêtement on n'a pas réussi à tout finir. Non, franchement il est très bon. Ouais. Le burger il est délicieux, ouais. Il est très gros mais délicieux. Ouais. Les frites de patates douces, bah ça reste un classique, c'est super bon. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça. Ce petit goût sucré comme ça c'est juste parfait. Et pour le dessert, la glace c'est une glace vanille, couline myrtille et du brownie. Franchement c'est trop bon. Je me suis régalé. Elodie, elle a pris une salade de fruits parce qu'elle n'aime pas la glace à la vanille. Ah, j'ai testé ça. Mais voilà, franchement, on a adoré. Franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez manger un menu d'Halloween, n'hésitez pas à venir au Lucky Nuggets. On sait qu'il y a un autre menu d'Halloween un peu moins cher au Café Hyperion. Oui, donc, ce sera l'occasion de refaire une autre vidéo dans laquelle nous dégusterons ce menu avant la fin de la saison d'Halloween. Bah là, je pense qu'on va aller goûter un peu quelques snacks et on vous montre ça. On va goûter un sablé Mickey orange là d'Halloween. Il a l'air d'être super bon, c'est chocolat framboise. C'est ça, on va goûter, on verra bien. On a hâte de goûter ça et on va vous dire de toute façon ce qu'on en pense. Oh,
les amis, on est posé là pour goûter les snacks. On a pris en plus le beignet Ursula. Il est immense. Je pensais pas qu'il était aussi grand. C'est la taille de ma tête. Je sais pas comment Elodie va faire pour manger ça, honnêtement. De toute façon, on vous dira ce qu'on en pense juste après. Bon les amis, ce vlog est maintenant terminé. Franchement, on a adoré le Lucky. Le menu d'Halloween est super bon. Franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Ouais. On a goûté également le beignet. Il était bon. Moi qui n'aime pas les beignets, honnêtement, j'avoue, il était bon. Il est énorme par contre. Le sablé à choco framboise. C'est bon, mais c'est pas. C'est bon, mais franchement, c'est pas. C'est pas ouf. Honnêtement, pour le prix, vaut mieux aller prendre un beignet plutôt qu'un sablé qui est plus cher que le beignet, honnêtement. Ouais, c'est mieux. Mais sinon, c'est bien cool. De toute façon, on vous a montré un peu dans cette vidéo tout ce que vous pouvez trouver comme snack Halloween ici à Disneyland Paris pour ce festival d'Halloween. Bah voilà, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Comme d'habitude, quoi. Hein. Ouais. Maintenant, vous avez l'habitude. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, venez nous rejoindre sur notre compte Instagram. On y poste des trucs tous les jours sur Disneyland Paris et Disney. En général, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez également nous rejoindre sur le blog avec un article les mardis aux environs de 20h. Voilà, quand WordPress en fait décide de publier l'article. Donc c'est entre 20h et 21h en général. Voilà. Donc restez connectés, abonnez-vous, comme ça vous avez directement la petite notification. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Voilà, très important, une vidéo le dimanche à 9h. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et à laisser un pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous vous faites des bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.